1959. J'espère que vous avez commencé avec un bon appétit, et pour que cet appétit demeure, je voudrais tout d'abord demander au président de l'association des anciens élèves d'Anières de venir et d'en finir avec la partie officielle en quelques mots bien adressés, bien savants, comme il savait déjà si bien le faire. J'appelle donc Michel Malka, président de l'Amicale des anciens élèves d'Anières. Cette première soirée rue Gala de l'Amicale des anciens élèves d'Anières, de saluer la présence parmi nous de Son Excellence l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies et Madame. Saluer également Madame Jacqueline Boss, Madame Jacqueline Boss est présidente de l'ORT suisse
qui nous a fait l'honneur de présider cette soirée. Madame et Monsieur Joël Herzog, président de la communauté israélienne de Genève. Monsieur Claude Ketterer, ancien maire de Genève et président de l'association Suisse-Israël. Alors rassurez-vous, ce soir non plus. Mais je voudrais quand même vous remercier au nom du comité de notre amicale, vous qui avez répondu à notre appel en accourant des USA, du Canada, du Maroc, d'Israël, de tous les coins de France et de Suisse. Que nous sommes ce soir réunis pour satisfaire deux souhaits de notre Assemblée Générale. Le premier est de rassembler tous les anciens d'Anières. Le second, c'est de concrétiser l'existence de notre amicale, tout en apportant une aide à l'œuvre de l'ORT qui est notre creuset. L'ORT a été pour la plupart un tremplin. Oui, on retrouve certains d'entre nous, les anciens d'Anières. On les retrouve aux commandes d'entreprises ou dans des postes à haute responsabilité. C'est en quelque sorte, disais-je, un moment de nostalgie. Et je pense sincèrement que pour marquer de façon très claire cette émotion, d'abord la musique, mais ensuite, la musique qui s'associe le plus à ce sentiment de nostalgie, la musique russe et tzigane. Et cette personne dont je parle, eh bien, elle est parmi nous ce soir. Et elle va nous faire un grand honneur parce qu'elle va jouer devant nous tous, chers amis. Il s'agit de Monsieur Botkin. Bravo! Monsieur Botkin qui va nous enchanter avec ses violons.